like my coffee really standard. I like coffee in any kind of, just without milk. I prefer delicious espresso, strong, tasty, big creamer on it, and like a standard espresso, Italian style. It's more and more becoming popular. Coffee is like a, yeah, it's a product for enjoying, and people like to enjoy. Even if alcohol is not anymore preferred after dinner, so more and more important, a delicious espresso. In COVID times, many people educated themselves by webinars, so the knowledge about coffee, technology, grinders, barista scene is becoming more and more in the people. Renica is building coffee machines since 1932. It's a handcrafted machine, so we don't have atomic weapons, we have just coffee machines, hot water, which is becoming hot. Every machine which leaves our factory is tested, so fulfilled with water, every function is tested. This is luxury, but we want to do this and we want to keep this. Of course, if you look in our label, it's Poisson de Garantie. We want to keep it. J'ai mon café. Ah, ça dépend. On va dire long black, donc c'est double espresso un peu allongé avec de l'eau. C'est des machines avec des principes mécaniques qui sont tellement simples et élégants. Et toute personne qui a la mémoire et la patience pour qu'on lui transmette ce savoir-faire, et pour moi, pour apprendre. Après, c'est sûr, on exige moins d'expérience en électronique, en hydraulique ou en mécanique. Et c'est vrai que pas mal de personnes qui travaillent ici ont travaillé dans l'automobile, par exemple. Comme ça, ça mélange ces trois principes. Donc vraiment, chaque pièce est collée, chaque joint. Donc là, par exemple, il y a un joint, là, il y a un joint, là, c'est encore une pièce. Et il y a une attention à tout. Et moi, je suis là et je peux toucher aussi, et je peux m'éclater aussi. Et m'y connaître en technique, en vocabulaire de métallurgie, ça aussi, c'est le privilège de travailler dans une petite entreprise aussi. L'Alsace est très réputée pour le low-tech. On a des usines de... Ben justement de usinage, de recyclage d'alu. C'est vraiment une industrie en métallurgie, en fabrication, et très impressionnante en Alsace. Et il y a nous aussi, depuis 100 ans. Je dirais que, comme l'Alsacien, qui est fier, mais qui crie pas de tous les toits, il veut faire son travail dignement. Donc nous, c'est un peu pareil, on veut faire notre travail dignement. C'est transculturel même, ça peut traverser toutes les cultures. C'est comme un dessert, c'est un moment chaleureux, c'est un petit cœur en main qu'on offre. Et Christian et moi, par exemple, on refuse d'avoir du café dans du papier, dans des caps en papier, parce qu'il faut prendre le temps de boire son café. Avec amour.